David Becker, vous venez de recevoir il y a quelques semaines Brice de l'Alba. Elle a couru une fois pour vous. Vous l'avez trouvée comment le 26 décembre à Cagnes-sur-Mer, à 25 mètres? C'était ni bien ni mal. Proprement, elle me manquait un peu pour finir. Justement, elle avait fait un coup de sang 3 semaines avant cette course. Elle n'avait pas travaillé pendant une dizaine de jours. Elle avait sûrement besoin d'un bon parcours. Vous la sentez sur la montante depuis? La jument a retravaillé correctement. Besoin d'un petit peu d'être rassuré. Travaille normalement. Alors, on va en savoir plus en course. Bon, là, vous la déférez des 4 pieds pour l'occasion? Ouais, elle sera des 4. Ouais. Bon, je pense pas qu'il y ait une grosse différence. Des A ou des 4. Tout devant, ça compte. Je devrais être déféré devant. Moi, je tente le coup de la déférer des 4. Elle a souvent été. Elle aura le bonnet fermé. Voilà. Et là-bas, c'était pas trop prévu, mais bon, elle a pas de super engagement. Elle rend souvent à distance, et là, il n'y a pas beaucoup de baies, donc surtout en tête. Ça vaut le coup de tenter le coup. Ouais, c'est quand même une bonne course, hein. C'est une vraie jument de piste plate. Si elle doit s'illustrer, voilà, c'est cet hiver à Cannes. Ouais, voilà, ouais, c'est un peu pour ça que William m'a envoyé. Parce qu'elle fait pas la côte après. Alors, d'autres courses, j'ai vu qu'elle avait une course de montée, si jamais ça va pas, peut-être on mettra la selle. On la glisse quand même en fin de combinaison pour les parieurs? Ouais, voilà,